tu me diras ce que ça fait. Coucou à tous. Je sais pas si ça marche, premier petit test. Ça a l'air d'aller. Je vais d'ailleurs me couper le son. J'ai laissé Twitch derrière. Et lire. Hop. Et je n'ai pas besoin d'un... Attends. Hop. Je sais pas si tu m'entends quand je vais sur une autre page. Et donc, en gros, j'ai pas besoin d'un autre viewer, donc du coup, pendant mes tests, j'ai mis Twitch, maintenant, on enlève. Donc, coucou tout le monde. Je sais pas, j'attends une spectatrice, j'ai lancé le truc, coucou Skipounet. Je sais pas si elle l'a vu, du coup, j'ai peut-être été un peu trop vite. Puisque en fait Nadou voulait voir la suite, elle est très intéressée par ça. Je sais pas si elle est là. Si tu nous entends, réponds-nous. Mais elle faisait une petite partie de DBD en attendant que je fasse mes tests. Alors attends, multijoueur, j'explore, je savais même pas que t'avais du multijoueur. Alors je t'entends pas. Quoi? Tu sais, si tu me dis quelque chose, il faudrait que tu le notes dans le chat. Parce que même si pour l'instant je suis... Oh, sérieux? Tu peux faire des autres... Pour acheter ce personnage, vous devez avoir atteint le niveau 40. Je suis niveau 1, mais c'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Oui, en petit, on dirait Harry Potter, je trouve. Alors, donc, tu peux faire ces personnages-là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Changer de faction. C'est un mode multijoueur en fait. Faudra que je regarde quand même ce que c'est. Non, casse-toi. Bon, c'est pas grave. Classement machin, multijoueur chaque même fois. Oh. Bah, on va attendre 2 secondes. Non, succès, je veux pas aller là. Hop. Contenu télécharge, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, en gros, ok, lancer une évaluation, bonus, fais voir. Contenu bonus, on a quoi? Modèle de personnage crédible. Ah, j'ai crime. Alors, bah, justement, on va avoir besoin de parler de ce monsieur. Lara, comment? Lara innocente. Lara Croft. Ah, et Lara Super Warrior, alors je suppose là. Habitant de l'île. Oh, il y a des trucs que j'ai pas vu, hein, je crois. Hein. Croquis. La raclette. Oh, la raclette, bien vu, bien joué. Un beau petit jeu de mots. Mais me tente pas trop parce que sinon là il va y en avoir une qui va nous pensionner sachant que il y a ce qu'il faut dans le frigo. Équipage de l'endurance, c'est quoi tout ça? Vas-y. Hop, attends. Je peux te voir? Je peux pas te voir. D'accord. On voit avec tous nos copines. Fermé. Alors ça m'embête de commencer en fait, j'aurais dû attendre et m'assurer qu'elle était là. Le repère des pilleurs. Ah oui, bah ça c'est des... Oh. Alors si tout ça ce sont en gros l'équivalent de puzzle de saut, je sais pas comment ils appellent ça, les tombes là. Je suis mal, because je n'y arrive pas ni à les faire. Il y en a 20 quoi. Ouais, oh mon dieu, 19. Si Lara fait des tutos, ça devient Lara Croft. Ouais, bien vu. Mais elle ferait des tutos de quoi? Les tutos de Lara. Lara Croft. Elle ferait quoi à ton avis? Moi je dis, elle nous apprendrait à fabriquer des armes. Désolée, c'est beau pour vos yeux, ça.
enfermer un maître de maison dans un frigo. Ah oui, ça. C'est pas. Je l'ai vu passer l'autre jour. C'est pas Jonathan qui en avait parlé de ça, je sais plus. J'ai vu passer justement cette vidéo avec le. Donc je sais pas lequel, là où la plupart des gens ils s'éclataient à enfermer le maître de maison. Le pauvre petit choupignon qui avait rien fait. C'est comme les Sims, ça, quand on les enferme entre quatre murs. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais après, ils crèvent de faim, quoi. En gros. Alors, j'entends que ça tape là-bas, mais je sais pas si c'est ici, en fait. Je crois que c'est pas pour moi. Et Noctis avait mis la vidéo, mais t'étais obligé d'en arriver là car sinon c'était chiant pour le tutoriel. D'accord, ok, bon. Mais écoute, de toute façon, moi les Tomb Raider, c'est le premier que je joue aussi loin en fait. Là, d'après ma sauvegarde, je crois que je suis à 42% ou un truc comme ça, j'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait mes tests. Donc autant dire que j'ai rien fait du jeu. Voilà, ça fait plusieurs mois que je suis dessus et que je ne joue pas parce que je préfère prendre du DVD et j'aime pas rester des heures devant un jeu. Voilà. J'avais joué, bon, bien sûr, au 1 un petit peu, mais les premiers. T'en avais un qui se passait pas à Londres ou je sais pas quoi là, j'avais bien aimé ça. J'avais testé quoi? J'avais testé Anniversary, mais j'arrivais pas parce que je sais pas faire les plateformes et machin. Donc du coup, ça a tendance à me saouler en fait. Il y a que celui-là en fait que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Qui me plaît de par son histoire, de par le gameplay. Tu voyages beaucoup dans chacun. Ouais, ben ouais, je sais. Mais moi, ce qui me manque, c'est dans celui-là, par exemple, moi, ce que j'aimais bien dans les anciens, c'était que t'avais, bon, oui, t'avais des mecs, mais t'avais pas que ça, quoi, parce que là, c'est strictement que ça, quoi. Donc, t'as pas mal de plateformes. Bon, après, bon, là, ça va, elles sont intéressantes. Je préfère les plateformes comme ici que dans les anciens. Mais par contre, t'as trop, trop de mecs pour moi, quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, après, c'est l'histoire qui veut ça, mais j'espère que les autres, ce sera pas comme ça, parce que moi, c'est ce côté-là qui me déçoit un peu. Tu devrais lever un petit peu ta voix. Ok? Est-ce que si je parle comme ça suffit? Attends. Hop, micro. Est-ce que là, ça va? J'ai monté un petit peu. Ah oui, ça suffit! Coucou, Jaja, comment ça va? Bon, bah du coup, on va pouvoir commencer. Merci, Skipounet, de m'avoir aidé à combler. Pendant. Alors, ça va, ça va. Bon. Alors, du coup, on va continuer. Parce qu'on va essayer de ne pas se coucher à 3h du matin. Alors. Donc on en était ici, à 42% du jeu. Comme je disais, ça fait des mois que je suis dessus et voilà, là depuis... Ah bah non, bah oui, depuis le 12-11, j'ai fait mes essais tout à l'heure, c'est normal. N'importe quoi. Comblé pourquoi? Ah bah parce que du coup, comblé, parce que en fait, j'ai allumé trop tôt. Je t'attendais pour commencer, comme je sais que tu veux le voir, je voulais pas commencer sans toi en fait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, du coup, bon, il y a eu le naufrage, tout ça. Pour ceux qui prennent en cours, il y a toutes les vidéos du départ sur ma page YouTube. J'arrête de la mort qui pète. Et sinon, ben voilà. Donc, on essaie de survivre, de retrouver nos copains. On a notre copine qui a été enlevée et. On est dans le Yamatai machin et tout. Ça te parle d'une déesse qui veut tout cramer, je sais pas quoi. Je viens juste de voir que tu étais en direct. J'ai pas de notif. Ben ouais, mais j'ai jamais. Je te fais envoyer des messages sur WhatsApp pour te prévenir. Et donc, du coup, là, on est en train d'essayer de chercher notre copine.
en essayant de monter, il y avait tout un truc à escalader, tout ça, avec des mecs tout partout. Et en fait, on avait donc Grim, qui est dead en voulant nous aider. Il s'est suicide en sautant par-dessus bord avec un mec. Et du coup, là, on avait, je sais pas si vous vous souvenez, donc il y a des grands, grands bâtiments avec un grand pont. Ah, ok. Ok, j'ai. Il y avait un grand pont, et en fait, les dernières images qu'il y avait, on voyait donc notre pote Ross, qui est sniper, en fait, qui allait en gros nous ouvrir la voie. En gros, on le voyait avec son sniper, avec son viseur, comme ça, vérifier, et puis en fait, il va nous aider à passer le pont. Donc maintenant, c'est ça qu'on va faire. Alors attends, ma souris, t'es où? T'es où? T'es où? Oh. Allez, c'est parti! Balancez-vous en utilisant les bannières en tissu comme des trapèzes. Je le fais tous les jours. Ça se voit d'ailleurs. Ah, traque de la proie. Les animaux sont méfiants. Ah, putain. Attends, il m'a foutu où? Ah, ok, d'accord. Bon, ça a sauvegardé. Bon, c'est pas grave. Hein. En gros... Voilà, il manque ça. La dernière vidéo, on est arrivé là-bas. Et en fait, tout à l'heure, pendant mes tests, j'ai fait... Ah, et il manque un tout petit bout d'histoire où en fait, Ross nous a parlé. Alors, ça c'est les camps provisoires. J'ai un point de compétence et j'ai 836 en équipement, en monnaie pour faire des trucs. Donc, on va essayer. Hop, voir les catégories. Survivant. Alors, c'est percepteur macabre. Attends. C'est celui-là. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Ah, oh, c'est les corbacs. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi, n'est-ce pas? Comme dans des BD. Faut pas faire de bruit comme ça. Chasseur. Alors. C'est celui-là. Alors, c'est quoi? Éliminer vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. Ok. Et ensuite... Ah! Touk, touk, touk. Expert en piolet. Utilisez votre piolet cranté pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Étourdir ou tuer? Juste étourdir. Faut pas le tuer? J'aime bien tuer, moi. Là, on avait dit quoi? Je vais faire ça, on va tenter, parce que je suis tellement discrète. Non, je sais pas. Je suis trop nulle à ça. Vas-y, c'est pas grave. Oh, grâce au tir à la tête, au coup de grâce et élimination furtive. Ah oh, bah c'est parfait, c'est pile tout ce que je fais. Alors bon. Ensuite, on avait... Équipement. Ah, trouver une nouvelle pièce pour débloquer l'arc. La nouvelle pièce. Une nouvelle pièce pour l'arc. Ok. Ici. Il me manque le manchon et la poignée rembourrée. Le frein de bouche. Le chargeur double. La fenêtre d'éjection polie. Ça, il est à fond. Ok, alors. La sœur du fusil à pompe. Le manchon facilite le maniement de l'arme permettant ainsi d'augmenter les dégâts. Ok. Et stabilité de l'arme. Ou ça me paraît pas mal. Alors c'était bien ta partie de DVD. DVD. Oh pff, DVD. N'importe quoi. Hop. Bon allez. Alors, faut que je revoie mes touches. Ok, ça c'était pour voir l'objectif. Il faut que j'aille là. Ok. Attends, ah bah oui, là c'est de là où je viens. Attendez, parce que je vais avoir du mal. Voilà, c'est ça. Et comment je faisais pour... Voilà. Ok.
Donc, mouru et survécu. Oh, t'en as fait deux. Ah, bravo. Alors, voilà, on avait tout traversé là avec des cagettes là comme ça et tout là. Puis notre pote, il était mouru. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils, hein, les méchants, parce que voilà quoi. Oh. Wichou. Attention, Lara. Ouais. Ce pont grouille de garde. Super. Mais oui, ça Une je le idée? sais. Oui, mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. Par en C'est dessous. exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Mais il va mourir, ton pote! Pardon. Bonjour. Bonjour. Ah! Dis donc, là. Lara, c'est quoi ça? Soyez mignon, j'ai dit. Attends, c'est ça. Non, je peux rien faire. C'est pas comme dans Resident Evil, je peux pas les péter. Je peux rien faire. Ok. Alors. Ok. Bon, je vais être un peu relou, hein, parce que, comme vous le savez, je suis pas douée. Hein. Donc, pour faire un truc que les mecs vont faire, vont mettre 10 minutes à faire, moi, j'ai joué pendant 3 heures. Hein. Donc, je m'excuse par avance. Vous allez avoir Miss Boulette en action. Ok. Ah, super. Ok, j'ai vu. Lara, je les ai dans mon viseur. On y va. Je compte sur toi, Ah Raz. putain, faut que je monte là, quoi. Alors, pourquoi là je te vois comme ça? Non, non, mais soyez gentils, là, les mecs. Merci. Oh. Attends, et oh. Oh. Je monte là. Moi, je monte là. Moi, je monte. Ah, faut que t'ailles où, là, là. Non, non, mais ça commence. Putain, attends. J'ai bien cru t'avoir perdu. Tu vas bien? C'est pas passé loin. Oh my god. Non. Ne bouge plus, ils vont te voir. Oh là là, oh my god. Oh là là. Attends, je l'ai presque. Vas-y. Stop, attends, attends. Oh putain, c'est chaud. Lara, la voie est libre. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Oh oh. Attention. Non, 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 non. Oh. Putain, faut que je me tienne où? Non, 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 non. Oh putain. Pardon. Je l'ai eu? Je l'ai eu. Oh putain. Lara, ils sont trop nombreux. Ne reste pas là. Super. Oh mon dieu, non! Super! Ah, je vais où?
Ah bah oui, je vais où? Pardon. Mon dieu. Bon bah ça y est, c'est parti, premier mort. C'est une bonne moyenne. Vas-y, on trace. Hop. Alors, je sais. En train de me shooter et paf, ça fait du lard à pique. Ouais, mais attends, faut que j'aille où là? Ah, regarde en bas là. Ça va être la plateforme où j'arrive. Faut que j'aille en dessous. Salaud! Merde. Allez, on recommence. Qu'un soit mort de. Ah! Je regardais le chat! Ah! Je vous avais prévenu, hein. Oh putain, ça y est, ça promet, c'est un super live. Non, et tu crottes pas, c'est pas gentil ça. Il faudrait m'encourager plus. Ah alors, ah alors, attends. Mais non, mais comment je fais? Putain. Ouais, point. Mais ouais, mais j'arrive pas à le faire là. Je sais pas comment tu fais pour gagner en bas. Faut que je me laisse tomber. Putain. Donc ça c'est cool. Ah, là c'est là-bas. Ah non, attends. Mais putain, pardon. Après, faut que j'aille où? Si, il y a une petite plateforme. Ah ouais, ok. On va essayer de revenir en arrière. Au bout de 15 ans, on va peut-être y arriver. Hop. Attends. Ça. Non, il n'y a pas de plateforme en bas en fait. C'est Jaillou là. Putain. Si, là. Ah! Mais dites-moi, c'est un. Ouais. Mais par contre, ça va me saouler. Hein. Je suis pas patiente moi avec ça. Au bout de 10 fois moi ça va me saouler, je vais arrêter le live. Hein. Faut que. Quand je vous dis que je mets des heures à faire un truc. Attends. Je vais aller là. Comment je fais là, bordel? Ça y est, je m'énerve. Courage, tu vas trouver la sortie. Ouais, c'est gentil de m'encourager, mais alors sincèrement, là, je trouve pas. Je sais pas comment je fais. Je vais faire 15 fois les mêmes machins pour rien. Parce que là, j'ai cru voir un truc, mais je suis même pas. Ah! Ah! Putain! Je me laisse tomber? Non! Mais non, mais comment je fais? Putain. Ça me gave. Le mur en face. Oui. Je crois que le mur, tu dois devoir t'agripper dessus. Oui, mais j'essaye de voir le. Putain. Ouais, si. Non mais oui, d'accord, ok. Putain. Je pense que celui-là tu peux. Oui. Bien vu. Alors sauf que piolet maintenant que je sors comment, je me souviens plus. Alors, ok. Bon. Heureusement que j'ai des champions arrière parce que tu vois là je suis en mode grosse boulette, mais il me saoule là, il me tire trop dessus, c'est super chiant. Comment je fais le piolet, je me souviens plus. Oh. Allez, vas-y. Oh putain, merci. T'es sûr de vouloir faire ça? Je vais les chercher, Rance. Je vais revenir. C'est promis. C'est promis.
Ah. Un passage dégueulasse. On va dans une espèce de d'eau dégueu. Oups. Alors par contre, ces passages sont bien faits. J'ai peur. Et dès qu'il va y avoir une créature, je vais avoir peur encore. Je vous préviens, je suis une flippette. Non. Tiens, regarde, salut. Oh, comment il m'a esquivé. Et là, Jack ou Evelyn. Ah non, 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 pas Jack ou Evelyn de Resident Evil, là c'est bon. Non, 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 pitié. Resident Evil 7, ils sont assez flippants. Non, non, non. Entrée de la grotte avec un rara. Regarde, regarde les cheveux, le rat, t'as vu? Sauver les membres d'équipage de l'endurance capturés. Ok, donc on va approcher de nos potes. On va déjà voir par là ce qui se passe. Ah bah, on peut farmer. Bon bah voilà. Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. Non. Ah. Vous entendez? Horrible. Ah non. Écoutez-moi. Dans l'autre monde, nous n'étions rien. Mais ici, ici, nous sommes les Solari, les enfants de la Reine Solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Himiko, tu es le commencement et la fin. Oh, fais entendre ta voix. Non, 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 non. Je veux pas. Non. T'es trop mignonne, toi. Mais non. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Ça, c'est pour flatter sa chaîne. Assez. Dimitri, Nikolai, amenez-la-moi. Ah putain, ils me mettent toute nue. J'ai plus d'armes. En plus, ils m'ont tabassé, quoi. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Parle-nous à travers les flammes! Je suis désolée. Regarde-moi! Elle est l'élue. Bientôt, mes frères, nous serons libres. Dessiné avec ton sang, c'est Lara Croft. Emmenez-la dans la salle du trône. C'est le soirée des super jeunes ou de doudou. Terminé, créature. Doudou, dis donc. Il a des beaux tatous, lui. Anna, je veux pas me battre. Ah. Oh, super. Un bon pantalon, c'est chouette. C'est Lara Croft. On va descendre voir. Ah, attends.
Bonus, un nouveau bonus, ok. Ah, c'est dégueulasse. Je vais quand même regarder par là. Hein. Parce que vous savez qu'il y a des géocaches et des machins planqués un peu partout. Surtout, on a des jolis crânes de partout. C'est dégueulasse. C'est chou vert. C'est charmant. Gratte géothermique. Il y a des jolis bruits. Salut. De gaz, ah, pourquoi je voyais pas le... Ça a l'air dangereux. On va essayer de shooter. Éclaire ma feu. Attends. Ah bah non, j'ai plus rien. Ah, attends. On peut aller par là du coup. Je peux pas aller par là. Bah mais si, ça va être par là hein, qu'il faut que j'aille. Peut-être que je trace tout simplement dedans, on va voir. Tu peux pas enflammer ta flèche. Attends. Là-dessus? Bien vu, chum. Oh oh. Ah, mais... Je vais mourir. Non, je vais pas mourir. Ah. Ah, bien ça. Hop. Ok, là. Allez. Ok, des petits trucs. Ah, il y a un autre machin par terre. Chaque nouveau frère est affecté à une tâche au sein des Solari. Tant que Mathias continue à prouver sa connexion spirituelle avec la Reine Solaire, les hommes sont prêts à le croire. L'initiation est brutale. Nous devons détruire leur conscience, les rendre inhumains. Les nouvelles recrues sont envoyées dans les profondeurs de la grotte. On les affame pendant des jours, parfois des semaines. Ceux qui survivent sont accueillis dans la confrérie à bras ouverts. Je ne peux toujours pas expliquer le pouvoir que Mathias a découvert, mais peu importe. Nous ne quitterons jamais cette île. Parfois, j'ai l'impression d'être en enfer. Après tout ce que nous avons traversé, ça ne serait pas forcément pire. C'est de la folie. Cet endroit n'est que pure folie. Mathias croit que l'esprit de Iniko nous retient prisonniers ici. Ce n'est pas possible. Mais il a atteint un tel degré de folie qu'il est peut-être parvenu malgré lui à une certaine forme de clairvoyance. L'hélicoptère n'est pas la solution. Ah bah oui. Tu le sais, Lara. Au fond de toi. Je l'ai pas fait. Je dois prévenir les autres. Si nous embarquons dans l'hélico, nous sommes morts. Oh oh. J'ai cru entendre quelque chose. Soyez gentils, s'il vous plaît. Ouais. Oh my god. Je vais mourir, je suis désolée, je vais me faire des super passades. Ah, non. Ne résiste pas trop. Et prie pour qu'il te tue rapidement. Ah, oh super. Oh mon dieu. C'est horrible. Génial.
Ils sont en train de le bouffer. C'est quoi ces gros vieux cannibales là de caca là? Oh. C'est dégueulasse. Et ils s'éclatent en plus. Hein. Mais bon, moi je suis pas trop de. Je me la joue comme ça, hein, je crois. Regardez-moi toutes ces cages. C'est ça, je vais les désinguer comme ça. Hein. Ça. Alors. Ouais. Oh mon Dieu. Tout ce que j'aime. C'est dégueulasse. Je vais flipper. Je trouve rien sur toi, ok. Je suis vachement rassurée en fait. Hein. Est-ce qu'il faudrait pas aller là-haut? Je peux grimper ou pas? Je fasse pas. Ah si! Tous ces corps, ça me rappelle les films d'horreur, je crois que c'est Crypte. La Crypte, c'est lequel ça? Crypte, c'était celui-là dans le... Pardon. C'était celui-là dans le... Mince, comment ça s'appelle? Tu commences dans l'eau au début, je crois. Ouais, bah écoute... Ah, regarde comment je saute. C'est énorme. Mais bon, c'était pas ça le but. Alors, ça c'est de là où je viens. On voit le ratoon. On va continuer. Alors, celui-là c'est celui-là qu'on vient de faire, je crois. Oui, c'est ça. On va se le faire dans l'ordre, de toute façon, les passages. Ah non, là je peux pas. Sortir. Oh mon Dieu. C'est ce qu'il disait, les laisser crever là. En gros. J'ai au cash, ok. Mon Dieu. Ok. Donc là, j'ai fini le tour. Ok. Ah. Là, il y a un moyen de monter.
que je tire là-dedans. J'essaie de tirer dedans, je fais quoi? Ouais, on va essayer. Vas-y. Ok. Oups. Ok, j'ai fait le tour, mais fusil le feu, ouais. Tente toujours, ouais. Ah oh. Putain. Mais j'ai plus rien là. J'ai plus rien, c'est chouette. Ah. J'ai des flèches juste à côté. C'est mal, ouais, c'est mal barré. Ok, j'ai très très mal joué. Il fallait que je le fasse direct. Attends, du coup, ils m'ont foutu où? Ils m'ont foutu là. Alors, il y avait des flèches ici. Ah, pas d'autre nulle part, hein. Je peux le voir avec ça ou pas? Il faut que je les fasse, que je les attire par ici. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas Y, je crois. C'était pas ça. Non, sérieux. Allez. Vous allez me maudire. Je vous l'avais dit que je voulais des heures pour faire quelque chose. Sinon j'essaie de me casser hein. Pendant qu'il fait pipi on tente la rate du sol. D'accord, d'accord. Ah, je déteste cet endroit. Je sais plus comment je tue. Enfin comment. Attends. Option du jeu, assigner les touches. Alors c'est pas esquiver machin. Action, frapper au corps à corps, instant de survie, gnagnagna. Bah, c'est bien ce qui me semblait. J'étais avec Y tout à l'heure, mais ça m'a sorti le piolet. Bon, bah écoute. Vas-y, on va retenter, hein. Ok. Ah, je peux faire une plante. Ah. Ah,
perdre. Oh non, ça recommence. Je m'en occupe. Est-ce que je fais ça? Dans le feu là? Ça va me saouler. En fait, je me suis plantée. J'ai fait le grappin alors que je voulais pas faire le grappin. C'est ça de jouer tous les 6 mois. Sinon, on a qu'à le laisser à la prochaine équipe. Non, en fait, je pense qu'il faut que je me rapproche et que je le fasse aussi en silencieux. En fait, comme il va s'éloigner. D'accord, d'accord. Ah, je déteste cet endroit. Écoute, je vais aller voir. T'as qu'à rester. Ça, c'est comme les Metal Gear Solid et tout, c'est pas pour moi ces jeux. Je suis déjà sincèrement étonnée d'avoir réussi jusque-là. Vu la quiche, il me donne trop envie de pisser en plus, quoi. Essayer de les faire un par un. Alisha, ma chérie, je ne voulais pas t'écrire cette lettre, mais si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai quelques problèmes à résoudre, et il se pourrait que je reste loin de toi plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre, mais je veux que tu saches que je me suis battue pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tout ce temps loin de la maison, l'argent économisé, les sacrifices. Je suis désolée pour tout ce que tu vas devoir endurer sans moi. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de renfort ? Non ! Parce que j'y arrive pas. Je crois que je vais arrêter parce que je suis en train de m'énerver là. Sincèrement, recommencer 15 000 fois là, ça me saoule. Si j'arrive pas à le passer là, moi j'arrête hein, parce que ça me saoule. Okay. Ça fait une heure. Je pense que j'ai fait ce que tu fais en 5 minutes. M'en occupe.
Sinon, je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de le shooter après. Voilà, il faut que je saute là, je pense, non ? Ah. C'est pas des trucs à tirer, pousser ? Non, bon. Ok. Non, je peux pas y aller. Des bruits chelous. Faut de camp ? Ah, c'est leur faut de camp, eux. Ah non, c'est un faut de camp, moi. Ok. Alors, ah bah oui, là je peux plus rien faire. Ah, ok, il y avait un autre truc, c'était ça. Hop, okay, treasure. Tu fais comme tu un veux. Un éventail fabriqué pour je une occasion spéciale. Sans doute un mariage. Il a l'air très récent. J'en ai 2 sur 3. Alors, la map, sincèrement, j'ai jamais compris. Hein, donc, je vais pas chercher plus que ça. Alors, là, du coup, je pense que c'est bien ça. Il faut que j'aille là-bas. On va faire péter ça, déjà. Parce que je pense que ça, ça va faire péter les caisses et on va peut-être pouvoir sauter ou je sais pas quoi. Sérieux? Je peux pas le péter ça? Regarde ton chat. Quoi? Regarde ton chat. Ouvre-le d'abord. Oui. Merci le chat. Chut, faut rien dire. Hein. On pense même pas là, s'il vous plaît. Hein. Non, mais regarde. Le poulet, quoi. Tire en bas. Ah là. Ah là là. Alors. Par contre, hop, go. C'est pour ça que c'était blanc et que je pouvais y aller. Chut, sérieux quoi. Arrête, il faut qu'on soit sûr. On va fouiller la fosse. Hey, qu'est-ce qui se passe en bas? Hey, salut, c'est Nicolas qui nous envoie. On obéit aux ordres. Ces alors. Les terminateurs nous ont demandé. En fait, on lui a pas parlé. Là, il va falloir que je lui parle. Celui qui vient d'amener. Ils sont où? D'accord, montre-le moi. Là, on a une géocache et un machin. Ouais, d'accord. Ils sont où là? Putain. Je vais shooter à côté d'eux. Ah. Le temps. Merde. Je
le sauter, mais... deux, et il y en avait un troisième. Ok, donc ça c'est l'autre porte. Ah, je peux y aller par ça aussi. Ok. Bon, bah c'est parti. Bon, j'ai enfin fait un truc sans en chier. C'est bien. De nouveaux serviteurs se prosternent devant toi. Nos voix chantent tes louanges. Nos cœurs te vénèrent. Par le feu, nous sommes liés à toi. Tu es le seul être. J'ai besoin de moi. Ah non. Sérieux? Non, mais non! Mais non, quoi! Bah oui, je suis tombée de là-haut. Vous allez venir ou pas? Ça aurait été marrant là qu'il tombe aussi. Il se tue eux-mêmes? Chez vous là, ce serait bien. Ils vont pas venir, il va falloir que je monte. Ah! Jusqu'au bout. Putain. Super. Ben, je sais pas comment faire. Ça tourne en vrai n'importe quoi. Attends dans un coin. Ben ouais, mais... Mais le truc, c'est que si j'attends... je
peux attendre 10 ans là. Je veux que je m'éloigne le plus possible, ok. Je retente. Déjà, il n'y a plus de musique, alors. Ok. Maintenant, ne plus se chier, hein, c'est ça. Dis celle qui n'arrive pas. De ma vie. Tu es la lumière. Tu es la tempête qui gronde la nuit. Nous sommes tes enfants. Alors. Nous attendons le jour où tu nous éclaireras. De quel côté? Où tu nous guideras. Désormais, vous êtes des Solari, mes frères. Priez, chantez les louanges de la reine solaire. Donc c'est là, vu qu'il y a une arme. Ouais. Bon, ça pue, quoi. Essayer d'avoir l'angle de vue là-bas. Là, le problème, c'est que... Ah si, je peux peut-être essayer, à votre avis, celui-là, là-bas, peut-être. On va tenter, hein. Là, si je fais lui, ça va pas aller. Je vais essayer de passer derrière pour monter. Parce que là-bas, on a ça. La chèvre Tara. J'avoue que je ne sais pas non plus. La chair aux flammes. Putain. Vas-y. Ah bah vous l'avez fait vous-même ça encore. C'est trop bien ça. Vu là.
C'est bon. Alors, on va fouiller le cœur. Hop, là on a des petites plantes. C'est charmant. Ah. 5 juin 2011. Les années ont passé. J'entends ces murmures dans mon sommeil. La reine solaire. Elle m'encourage. Je vois son visage à chaque rayon de soleil. Cela ne devrait plus être long. Mais Solari travaille dur pour elle. Ils construisent une ville avec tout ce qu'elle a apporté sur l'île. Combien de tortures, de sacrifices en son nom. Bientôt, nous trouverons l'élu. J'ai hâte de quitter cette île et de laisser derrière moi toutes ces horreurs. Les épaves, les cadavres. La misère. Si je parviens à ramener la reine à la vie, tout s'effacera en un instant. Comme le soleil qui renaît chaque jour. Elle illuminera cette terre et brûlera tout. Et moi, je renaîtrai de cette terre brûlée, libérée et purifiée. Journal d'un fou. Ah, il y en a un que j'ai pas eu visiblement. Ah, regardez. Pourquoi tu bouges, toi? Tu fais peur. Tu fais peur, monsieur qui bouge. Ah. Hey, c'est chelou. C'est horrible. Il va se relever, en fait. Non, c'est pas un truc comme ça. Ah bah, je suis con. J'ai pas ouvert le truc, du coup. Là, on a ça. Ah, je me suis plantée. Voilà. Ah, encore. Ah non. Ouais, et après du coup. Mais si je me parle là, il va me shooter là le truc. Non, donc c'est pas ça. Il me stresse l'autre là. Mais, donc j'ai compris que c'était ça qu'il me fallait, mais. C'est pas ça. Ok. Voilà, voilà. On va peut-être se casser. Voilà. Ok, je suis la manette qui vit, voilà parti. Allume-le, ouais, allume-le. Allez. Pas de truc de réflexe coupé. Oh, ah, okay. Ça gêne pas, ça gêne pas. Waouh, 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 waouh. Ouf. Putain. Ouf.
J'arrive en plein milieu de 50 millions de mecs, super. Bon. Ah. Ah putain, tu m'as vu direct toi. Super. Je vois rien. Ah, ah putain. Ah bah. Il est où le mec? Là. Là, pour l'action. D'un coup, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, il y a un bug, il y a je sais pas quoi. Comment t'es arrivée jusqu'ici? On m'a aidé. Green? Oui. C'est ceux du. Du bête. Il s'en est pas sorti. Green est mort, oui. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Chobiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver une solution. Déjà, laisse-moi fouiller les corps. Allez, faut essayer de desserrer ça. Allez les gars, encore un coup. Ah, oui, ça. Ok, attention. Saute. Ça sert à rien, la vie. Attends. Attendez, je suis là, le mec. Oh. Donc ça, comme d'hab, on va le faire péter, quoi. Lara, il se passe des choses bizarres. Oui, là, il y a des trucs à faire péter. D'un esprit du soleil. La reine solaire. Non. Tu veux dire qu'on est au Yamatai? Oui. Oui. On dirait bien. Alors, c'est pas... Voilà. Ça va être une plateforme pour y aller. Oh! Ça devient stable ici. Ouais, laisse-moi finir. Le sol commence à céder. Non, 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 ah, s'il vous plaît, là. Fais-nous seulement sortir de là. T'assures, ma belle. Attends. De toute façon, c'est par là-bas qu'il y avait des trucs. Ah, je l'avais pas fouillé, là. Alors. Ah, ok. Non, je peux pas là. Alors, attends. Ah, là-bas, il y a une plateforme. Tout ça derrière. Ok, donc c'est avec ça qu'il va falloir que je m'amuse. Alors, ça c'est des petits trucs comme j'aime pas. Alors, comment il faut que je joue ça? De là-haut, tu viseras plus facilement. Ok, donc faut que j'aille là-haut. Lara, qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche. Sur le pas, hein. Là. Parce que là, on a ça qui veut dire que tu peux sauter normalement. Pas aller jusque là, nounouille. Alors, bah oui, c'est mieux quand même. Alors. Vas-y, saute. On va maintenir la cage en place. Ok. Bon, maintenant on fait quoi? D'accord. Il est bloqué.
débarquer par là. Voilà. On va refaire pareil. Les barreaux sont tellement espacés qu'ils peuvent sortir une cinquantaine de fois. Ah, j'avoue que j'ai pas fait gaffe en fait. Attends. On va regarder ça. Parce que là, tu vois, t'as une plateforme aussi. Et t'en as une là-bas. Ah, là, regardez. Ça, normalement, je peux tout monter et je peux aller là-bas. Sérieux, c'est ça? Comment je fais pour aller là-haut? Sérieux? Je peux pas aller là-haut. Attends. Il y a des trucs de flammes là. De quoi? La corde. Ouais, mais comment je fais la corde? Je peux pas prendre la corde, hein. Je peux rien faire de cette corde. Alors là-bas ça me semble loin. Par contre là j'ai l'impression, alors pas ici mais là je peux pas. Par contre on a vu que tout ça là je peux le faire. Je vais essayer d'aller sur la mini plateforme. Écoute, ouf, ok, vas-y, tu peux pas monter. Non, tu veux pas monter, ok. Et là, c'est trop. Je peux pas. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Alors. Désolé, les mecs, mais. Bon, tu veux pas aller plus loin, là? Je peux pas remonter, fais chier. Parce que là, il y a ça où. Bon, par contre, je voudrais. Voilà, tomber, s'il vous plaît. Alors. Ce serait pour aller là-bas. C'est bon. Tu viseras plus facilement. C'est bon. Ah. Tu me saoules. De là-haut, tu viseras plus facilement. Je vais recommencer, mais après, comment je fais? Là, je peux pas y aller. Alors. Je vais essayer carrément ça. En plus, c'est pas la peine. Mais là. Bon. Et t'arrêtes de me dire que je peux de là-haut, hein. Est-ce que tu me saoules? Parce que ça, c'est la corde qui est pétée. Là, on peut pas. Est-ce que je... Ah, attends. Je vais essayer quelque chose d'autre. Attends, c'est en quoi? C'est pas en feu que je... Je peux pas. Putain, me fais pas peur. Mais je l'ai fait, ça, déjà. Hein. Les deux. J'ai déjà tiré en feu, là-dedans. Même celle du haut. Oui, j'ai fait les deux, mais j'ai fait. T'as là, j'ai fait celle du haut et celle du bas. De quoi? Ça enflamme, t'as déjà testé. Non. Parce que moi, je vais tester celui-là. Ah!
c'est parce qu'il fallait les... combiner. Dans le bon sens. Ok. Oh, super. Je suis heureuse, merci. Ils ont la place quand même. Attends, de quoi? Ils ont la place quand même. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais bon. Il n'y a plus de plancher du tout. Faut qu'on sorte de ce truc. Ah, attends, par contre... Ah, voilà. Regardez où vous mettez les pieds, c'est en train de s'écrouler. Ah, putain, oui, d'accord. Ok, tu voyais pas trop, hein, c'était ça. Oh my god. Oh putain. S'il vous plaît, c'est... Là, il faut que j'aille là-bas, je pense, cette fois-ci. Ah non, là. Ok. On va tomber. Vite, Lara. Ouais, bah attends, s'il te plaît, hein. Il est mignon. Oh, bouge tes fesses. Oh, sérieux. T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, là. Si on arrive à balancer la cage vers là-bas, on pourra peut-être sauter. Ok. Alors, on s'y met tous ensemble. Allez. Ok, ça devrait aller. Accrochez-vous. Putain, je l'ai tué en fait. Hein. Ça va pas suffire, Lara. Slava. Slavakov. On en a un qui est plus en forme que moi, quand même. Attends, parce que là... Ah, voilà. Allez, 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 allez. Ça va être marrant, là. Allez. Un point de rencontre. My god. L'hélico ne devrait pas tarder. Lara cherche toujours ça. Hello. Soyez gentil, s'il vous plaît. My god. GG. Ouais, mais... Bon, faut le voir une fois. Hein. Ah, ça pue, hein, la musique et tout, non? Vous entendez? Oh mon dieu. La reine solaire. Oh putain. Non, non, non. C'est tout ce que j'aime, ça, comme vous pouvez le remarquer, hein?
Oh oh. Oh. No one leaves. Personne ne part. C'est le fou, Mathias. Pourquoi tu t'infliges ça aussi? Mais t'as vu ça? Je me le demande moi aussi. Vaisselle, il y avait écrit. Tu fais la vaisselle? Si tu veux, il y a la mienne à faire. Le rituel du tombeau de Iniko. Et pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il? Ah non, là. J'ai pas vu. Alors. Non, mais j'aime pas, moi, toutes ces musiques, là. Regardez, là. Là, c'est un peu trop... Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais, là? Vous aussi? Enfin, je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? Vous étiez au courant pour les autres? Oui, 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 Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est cela. Ce sont des psychopathes, Dr. Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le guet ici. Vous me dites quand la voie est libre. T'as raison. Salaud. Pardon. Ouais. Non, putain, je vais me battre contre quoi, là? Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivé. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais... je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? Tu cherches. Un cadavre qui coule par terre et tomberait dehors. Ah, bravo, quoi. J'ai fait la même erreur. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne se passeraient pas. Mais j'avoue, bien vu. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Ah, il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Oui, moi aussi, la voix me dit quelque chose. Et c'est comme tout à l'heure, quand on avait un texte qui était lu par une femme, il me disait quelque chose aussi. Lara ! Dieu merci, t'es là ! Crie pas ! Crie pas, Gogol ! Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Les armes. Comment on va faire pour sortir de là ? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman ! Whitman ! Connard ! Connard, tu peux le dire, parce que je suis sûre que c'est... Fuyez, Lara, fuyez! Attrapez-les! Ok! Fuyez. Retourne dans la salle du trône! Voilà, là... Là... Je l'ai reperdu. Non. Ah putain. Lara,
ici, c'est bon. Oh putain. Oh. Ah. Oh. Voilà. Ah non, putain, pas de... Il est où? Whoopiting. Pardon. Ça y est? Attends, il faut tout fouiller, ça c'est ok. Arrête de tirer dans les plis, ils t'ont rien fait. T'as mis quoi? Oh putain! Ouais, mais c'est flippant quoi! Je suis désolée pour vos oreilles. 3 pièces de fusil à pompe. Ah, trop bien! Il faut que j'aille à un feu de camp, maintenant. Alors attends, maintenant faut que j'aille, je suppose, là où il y a de la lumière. Il n'y a plus de cadavres que je peux récupérer. Et ça va me poursuivre, ça va se réveiller là, j'imagine le truc. Ta gueule. Pardon. Je suis très polie, j'ai l'impression, aujourd'hui. Non! J'ai tiré comme une reine. Oh oh. Ouais, parce que là, il fallait tirer dans les pieds. Voilà. Puis, comment ça, pas que aujourd'hui, Malpoli, non mais oh. Je t'en prie, là. Ouh. En tout cas, ils me font peur. Ah. Truc à ramasser, c'est quoi? Matériaux, ok.
Ah. Salut mec. Oh purée. Tous ensemble pour la reine. Trouvez-la. Oh purée, mon dieu. Oh, super. Je suis heureuse, mec. Oh putain. Non, 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 non. Ok, je vais crever comme une... Arrête de bouger, petite garce. Montre-toi, tu t'exploses. Ok, c'est par là. C'est quoi ça? C'est Space, comment ça fait? Ah, je sais pas par où je me barre en fait. Oh! Ah non, non, mais oh! Bon, bah écoute, je ne sais pas. Oh! Je vais mourir. Mais oui, parce que là j'en sais strictement rien comment je fais. Je sais pas. Adieu Lara Fabian. Attends, mais aide-moi au lieu de me dire des bêtises, parce que là, je ne sais pas. Il faut que j'aille... Mais elle est où, la corde ? Trouvez-la ! La fille est à moi ! Attends, c'est où déjà, le mec ? Là. Super ! Non, mais c'est bon, là. Ah, rigole pas, non, parce que moi, ça me saoule, par contre. Reviens en arrière. Quand tu, dès que tu... Attends, de quoi? Dès que t'es là... Dans tous les cas, il faut que tu reviennes en arrière. Bah ouais, mais... Je sais pas. La fille est à moi. En gros, je veux que tu te planques derrière toi. Reviens là-dedans, tu as besoin de pas toucher. T'es là, il faut... Ça passe pas parce que c'est des... Oui, après, faut que je sois un peu plus proche. Je pense pas que tu puisses le tirer. Non, bah non, et puis je vois rien. Ouais, et maintenant je fais quoi? Là, tu peux pas passer depuis un temps. Il faut que je revienne par là. Bah ouais. Arrête de bouger, petite garce. Attention, attends. On met tout mon objectif. Ouais, je pense que... Non, là, t'es obligé de passer. T'es obligé de passer. Ouais, parce que de toute façon, là, c'est en feu et de l'autre côté, je peux pas. Ah. Ouais, mais non, regarde, c'est... Je suis obligé d'aller là-bas, hein. Ouais, t'es obligé d'y aller. Mais c'est-à-dire qu'il y a pas que tu passes de partie en partie, que de partie en partie qui t'éclate pour t'avancer, pour essayer de te buter à chaque fois. Bah ouais, mais c'est pas possible. Ouais, ça va être possible, mais... Déjà. Allez,
tous ensemble. Pour la reine. J'aurais dû changer l'arme déjà. La fille est à moi. Me saouler. J'essaie de trouver comment on passe. Allez, tous ensemble, pour la reine, trouvez-la. La fille est à moi. J'essaie un truc. J'ai le... C'est rouge. Tu vois? RB tiré. C'est lequel RB? J'ai jamais RBLT. Ah, lance-grenade. Oula. Ah ouais, carrément, quoi. Appuyez sur RB pour dire... Ah oui, bon, ça, oui. Putain.
La meuf qui intervient. Ah, en fait, il fallait que j'utilise la lance-grenade à fond parce qu'il y en avait partout. J'avoue que j'ai pas osé. J'ai pris. Non, j'avais un point, ouais, c'est ça. Fusil à pompe. Alors, un point de compétence, on va faire quoi? J'ai vu un truc. Munition supplémentaire. On va faire celui-là. D'accord. Je pourrais amortir maintenant un peu ma shot quand je tomberai. Et ici. Alors. Incendiaire, ça c'est que. Ok. Mais voilà, on a tuné notre fusil. Allez, on va monter parce que maintenant. Cool, tu vas plus vite. Putain, ça j'aime pas quand il y a des villes là comme ça. Ne vous approchez pas. Viens avec nous, on te veut pas de mal. N'approchez pas. Ah, cours. Allez la chercher, allez. Allez, vas-y, c'est comme ça, c'est comme ça, vas-y. T'as que le lance-grenade qui peut le faire en fait ça. Attends.
Bah. C'est pas là? Je suis arrivée par là? Lance-grenade, appuyez sur RB avec le fusil. Mais c'est le fusil là que j'ai. Ah d'accord. C'est pas le bon fusil que je prenais quoi. Quoi, t'es où? Ah oui, là. Ok, faut la trouver. Mais sérieux? On me saoule, là. J'en ai vu un en bas, non? Voilà, il n'y a plus personne du coup. Mais après, il n'y a plus personne. Putain, il me saoule avec ça. Ils sont où là? Ah là-haut. Ah! Oh! Ah, c'est ce que j'aime pas! Ah! Ah! Putain, il m'a empalé. Ah, super! Pff, sérieux? Je vais recommencer toute celle-là, quoi. Ah oui. Bien entendu. Je me saoule.
après c'était où les mecs? Thank you.
putain. Allez en bas, essaie de la voir. Éclaire-moi la cible. La voilà. La voilà. La Je suis de passage pour te faire des bisous. Coucou Chronoptis. Bah tu vas voir, je galère à mort. Et ça me saoule. J'essaie de me concentrer, mais sérieux. Aïe. Putain, bah voilà. Hop. Il m'a avancé un tout petit peu par rapport à ce que j'ai fait. Ah oui, là il y a ça.
faut que j'aille comme ça, je pense. Ok, mais sauf que là. Okay. Alors, je cours là-bas en fait. C'est d'aller là. Ah, vite, 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 Lara. Putain. C'est hoche quand même, les gens. Qui sert à rien. Putain. Ben oui, j'ai un lance-grenade. Faudrait savoir viser. Enfin, rien ne m'arrêtera, mais ça fait 10 ans que je galère. Mais c'est pas grave. Je te suis. Et Sam, ne monte pas dans l'hélicoptère. Fais-moi confiance, d'accord? Je t'en prie, fais-moi confiance. Ok, ne monte pas dans l'hélicoptère. Bon alors, j'aimerais finir cette phase quand même. Échappez-vous du complexe Solarin. Laissez-moi m'en aller, laissez-moi. Voilà. Voilà, super. Oh là 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 là. Oh. Ah,
Je... Ah. Ah. Pétain, voilà. Mes émotions là. Je vais où là? Oui. Ah, ah. Oh, culé de sa mère, pardon. Ça me prend la tête, ça c'est trop de trucs pour moi, je suis pas assez bonne joueuse pour ça. J'arrive, mais regarde, au bout de 15 millions de fois, sérieux, c'est fatigant. Et voilà.
N'oublie pas, on va s'écraser avec cette tempête. On peut pas partir. Ouais. Et on les a toujours pas libérés. Enfin, on les a libérés, mais... Allez, sauver. Pas question, pas avec ce temps. On va s'écraser. On ne peut pas les abandonner. Désolé, je vais pas encore risquer ma peau. Faites-le. On va se cracher. Allez. Putain, mais vous êtes vraiment dingue. On va voir ce que ça donne et à mon avis, on va s'arrêter là. Bien, là, c'est pour mes messieurs et pour vous et pour vos nerfs et pour vos livrettes. Aussi dingue que Charès. Attends, par rapport à quoi? Il y a quelqu'un qui a dit c'est dingue, non? Oh oh. Non, pitié. C'est Lara, c'est ça? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là? Tu es injuste, Reyes. Je sais. J'aurais pas dû dire ça. Mais bon... Ross... Je sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier. Faut lui rendre hommage. Cette vieille vedette sur la plage. Je devrais pouvoir la réparer. Oui, un feu de forêt, ouais, t'as un peu inversé tes lettres. Ça ne sert à rien. Dyslexique, ton escape. Allez, Lara. Il faut pas dire ça. On doit se reprendre. Mettre au point un plan, tu vois. Vous ne comprenez donc pas. Aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres. Mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici.
Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct. Mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Ouais. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu croies en toi. Personne ne part. Les tempêtes. Elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau! On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. Bon, ben voilà. Jonah! Reyes! Ils sont pas trop loin. C'est vrai. Lara, je suis désolé. Tout est de ma faute. J'avais fait une promesse à ton père. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai juré de veiller sur toi, de te tenir à l'abri du danger. Et j'ai fait exactement l'inverse. Je t'ai fait courir les plus grands risques. Et maintenant, c'est toi qui veilles sur moi. Et tu sais, tu es comme ton père. Il était l'homme le plus intelligent, le plus sage et le plus fort que j'ai jamais connu. Il ne renonçait jamais, quels que soient les obstacles. Je suis inquiet pour toi, mais je sais que s'il y a bien une personne qui peut survivre ici, c'est Lara Croft. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'ai aimé comme la fille que je n'ai jamais eue. Je suis fier de toi. Oh là là, mon petit Ross. J'aurais jamais dû les laisser y aller sans moi. Bah ouais, maintenant... Bravo, quoi. Pas de feu de camp là. Si. Allez, je fais mon compétence machin là, et puis ce sera tout pour ce soir, les amis. Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là. Plus d'histoire sur mes parents, plus de randonnée en montagne. J'aurais préféré mourir à sa place. Mais je suis là, bien vivante. Et je suis certaine qu'aucun bateau ni aucun avion nous permettra de quitter cette île. En tout cas, pas pour le moment. Himiko et ce monastère sont la clé de l'énigme. Je dois faire quelque chose. Je dois arrêter ça. Ok, on va prendre ça. Tu te lèves bientôt. Ouais, mais il faut pas hésiter à regarder après le replay, hein, s'il y a besoin. Tu te lèves à quelle heure, Jaja ? Attends, ici, frein à la bouche, gnagnagna. Alors, j'ai vu un truc qui m'intéresse bien. Yes. Ok. On va faire ça comme ça. Go, dodo, dans 6 heures. Eh bien écoute, je pense qu'on va tous faire à peu près la même chose, hein, parce que moi je vais me lever aussi pour les feufilles. Et puis après, on a le pintrou qui sera là. Donc, merci en tout cas à tout le monde.
d'avoir été là, d'avoir suivi. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu, que vous n'en avez pas... vous n'êtes pas trop ennuyé, quand même, parce que c'était assez compliqué par moment, que vous n'êtes pas trop foutu de ma gueule, quand même. Et puis, ben, voilà. Merci encore. Et puis, ben, écoutez, on se refera bientôt la suite. Bisous, bisous. Bonne nuit tout le monde. Allez, ciao, ciao.